Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Way Plastic Model, Thierry. Aujourd'hui on se voit pour la Toyota Corolla WRC au M24e proposée par Tamiya. Alors, on s'était quitté sur les étapes du châssis, les roues. Aujourd'hui on va s'occuper un petit peu de la carrosserie. Donc je vous avoue que la carrosserie, ça fait pas mal de temps que je l'ai attaquée. J'ai pas voulu la faire en vidéo pour des raisons... parce qu'il y avait pas mal de choses à faire sur le châssis, donc j'ai préféré faire ça un petit peu dans mon coin. Mais aujourd'hui, on va un peu travailler dessus ensemble, et je vais vous montrer là où j'en suis, hein, en fin de compte. Donc voilà, la Toyota, la carrosserie est peinte. Alors, trois couches d'après, trois couches de blanc du X2 de chez Tamiya, et une couche de vernis, le vernis de chez Mr. Hobby. Je vais vous le montrer tout de suite. Le gloss, ici, Mr. Super Clear. J'aime bien travailler avec ce vernis-là, il est bien, il est pas mal, à la bombe. Va falloir un jour que j'essaye un petit peu les autres vernis qui existent sur le marché. Donc, couche de vernis, et j'ai attaqué la pose et décalque. Alors, vous savez que sur cette voiture, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je ne peux pas tous les faire en caméra, parce que il y en aurait pour des plombes. Ça ferait des heures et des heures de visionnage. Donc, j'ai déjà fini le devant. Le devant est terminé. J'ai tout fait là jusqu'ici, là. Hop. Tout le devant est terminé. Les décalques ont été posés. Il me reste les côtés, l'arrière et le toit. Donc, à savoir que sur ce kit-là, donc les décalques sont d'excellente qualité. Par contre, ils sont très fins et très fragiles. Voilà, attention, très fragiles. Voilà, ils se coupent facilement. J'ai eu quelques petits déboires sur celui-ci, vous voyez. Il s'est coupé là. J'ai été obligé de rafistoler. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Voilà, vous voyez, il s'est coupé là, là. On voit bien la démarcation. Il s'est coupé un petit peu ici aussi. Voilà, donc bon, c'est pas méchant parce qu'on arrive à les récupérer. C'est encore moins méchant sur celle-ci puisque je vais la salir. Donc automatiquement, s'il y a des petites erreurs, on rattrapera tout ça avec la boue et on cachera un petit peu la misère. Voilà, donc je vais faire avec vous celui du toit, qui est un petit peu gros, et donc il y a une petite spécificité dessus, donc je vais voir ça avec vous. Alors c'est lequel? Bon, faut savoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait deux planches de décalque sur ce kit. Voilà, donc là, celui du toit, c'est celui-ci, me semble-t-il. Ouais. Ah ouais, mais je ne vais pas pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va faire avec n'importe comment, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de faire avec. Mais je voulais faire un petit truc, je vais voir, on va improviser et on va voir ça ensemble. Parce que je vous explique en deux mots, sur ces décalques, vous avez une liaison entre toutes les couleurs avec du décalque transparent. Vous voyez comme ici, là, on a du décalque transparent. Il s'avère qu'il est encore plus fin que les parties peintes. Et sur la carrosserie, pour le tendre, c'est pas évident. Ça fait souvent des petits rebords, des petites aspérités. Alors normalement, avec le vernis, ça disparaît. Mais j'ai des doutes et je voulais éviter d'avoir tout ce transparent. Là, vous voyez, sur celui-ci, sur le Castrol. Voilà, vous voyez ici, là, ça m'a fait un petit défaut.
Alors normalement, avec le vernis, ça disparaît, hein. Il n'y a pas de souci, mais bon, quand c'est des gros, 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 il y a des petits risques. Donc je vais voir en le découpant, voir comment on va pouvoir faire pour atténuer tout ça. Voilà, donc on va passer tout de suite aux choses sérieuses, fini les blablas, et on va attaquer donc la pose de ce décalque. Alors, donc, pour mon organisation au niveau de la pose des décalques, bon, je pense que vous savez tous le faire, il n'y a pas de souci. Sauf pour les débutants, éventuellement, je peux montrer un petit peu comment je procède. Donc, je m'organise les décalques d'un côté avec la notice pour avoir les plans. Le micro-set et le micro-sol. Le micro-set, c'est pour favoriser le déplacement du décalque sur la carrosserie et le micro-sol pour assouplir le décalque pour lui faire prendre les formes, par exemple, comme ici le bleu, là. Où j'ai dû user du microsol pour le faire bien prendre toutes les formes. Un petit peu d'eau pour le décalque, et puis ici, un petit peu de sopalin pour poser le décalque une fois mouillé, et puis tous les petits outils, pinceau, pince pour tenir le décalque, un tout petit cutter, et on n'a pas besoin de plus. Donc, petit conseil pour ces petits pots, pour ne pas les renverser, vous voyez, je tape dessus, ils ne tombent pas. Un petit peu de pâte à fixe en dessous ou de gomme mie-de-pain et vous appuyez et puis le flacon tient bien et on risque pas en tapant avec la carrosserie de renverser tout le produit et de faire la boulette. Voilà, allez, on y va. On va découper ce décalque. Donc il est assez gros, hein, il est assez imposant. Donc on va voir ça ensemble. Donc dans un premier temps, je vais retirer tout ce qui ne nous intéresse pas sur ce décalque, c'est-à-dire tout ce qu'il y a là. Voilà. Donc ça, il faut les mettre de côté pour ne pas les perdre, bien sûr. Et puis on va descendre. Pardon, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ce décalque-là. Vous voyez la totalité du décalque. Il va venir ici, comme ça, conformément à la notice. Donc, vous voyez, il y a pas mal de boulot dessus. Donc, c'est ce film transparent, là, cette partie transparente que j'avais envie de découper un peu. Toc, 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 comment pourrions-nous faire? Ouais, pour qu'il y en ait le moins possible en fin de compte. Pour qu'il y en ait le moins possible. Donc je pourrais. Le castrol, je peux le coller après. Ça, c'est pas un problème. Je peux découper comme ça. Ouais. Alors je vais découper. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le conserver entièrement, hein. Donc voilà, on va le découper comme ça. Même si c'est pas droit, c'est pas grave, hein. Vous pouvez y aller. Voilà, le castrol, je le mettrai après, c'est pas un problème. Puis là, au milieu, je vais être obligé de le conserver. Alors, s'il y a des petits plis, il y a le numéro qui va venir par-dessus. Pas bien méchant non plus. Mais on peut découper le carré aussi. Ouais. Je vais vraiment éviter qu'il y ait trop de.
Voilà. Ça, je n'en aurais plus besoin. Voilà, donc vous voyez, comme ça, j'ai retiré le maximum de petits films transparents, là, qui vient embêter, qui est très chiant, en fin de compte. Donc, ben, je vais mouiller ce décalque. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont un procédé différent que le mien. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire, peut-être me donner un conseil, s'il y a une manip à faire différente. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment il se pose. Ouais. Bon, mais c'est bon, n'importe comment, il vient traverser tout le toit, hein, n'importe comment, donc ça sera facile de le poser. Il faudra surtout mettre beaucoup de microsets pour bien le faire coulisser dessus, pour bien le faire naviguer. Parce que là, ça fait déjà 10 minutes qu'on filme. Bon, c'est pas grave, on fera une vidéo que sur ce décalque. C'est pas méchant, mais au moins ce sera fait. Et puis ça change un petit peu des montages, des ébavurages de pièces, des collages. J'essaye un petit peu d'alterner pour que ce soit pas trop monotone pour vous. Donc je vais commencer à badigeonner le toit de microset pour vraiment le qu'il y en ait pas mal pour que ça puisse glisser sur la carrosserie. Le problème, c'est que s'il n'y en a pas, vous, pour le faire glisser, ça va accrocher et c'est là où vous cassez le décalque. Bon, ça veut pas dire que je le casse pas aujourd'hui, hein. Vous savez que la boulette chez Thierry, elle est pas trop loin, hein. Voilà. Alors lui, il en est où? Il a encore un poil dur, donc on va attendre un petit peu. Normalement, il devrait y avoir assez de microsets. Voilà. Thierry. Non, c'est bon, ça va. Ça va le faire. Voilà. Donc déjà, là, première bonne étape est faite. Donc maintenant, il va falloir le positionner comme il faut. Lui faire prendre sa place. Alors, ça vient vraiment à fleur de là. Donc là, on y est. Vous voyez, il peut coulisser facilement avec le microset en dessous. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de lui faire prendre sa position. Une fois qu'il est en position, après on peut toujours affiner, mais voilà, le but ultime, c'est vraiment de lui faire prendre cette position idéale. Voilà. Et après, avec le micro-sol, on viendra tout assouplir pour que ça vienne prendre la bonne position. Voilà. On est pas mal, mais vous voyez ce plastique blanc là, transparent, vous voyez, ça fait plein de petits bourrelets. Il est vachement plus fin que le décalque lui-même. C'est ça qui est chiant. Voilà. Le décalque avait l'air un peu plus large que ce qu'il fallait. Donc là, tant qu'on n'a pas passé le sèche-cheveux, tant qu'on n'a pas mis le micro-sel, vous pouvez le bouger sans problème, il est paramolli, il n'y a pas de souci là-dessus.
L'important, c'est qu'il prenne sa place définitive. Ouais, ce film transparent, là, il m'agace. J'ai bien fait de retirer le reste. Voilà, donc là, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc là, moi, ce que je fais, un petit coup de sèche-cheveux pour commencer à le faire coller. Alors là, ça va faire du bruit. Donc là, il a commencé un petit peu à coller. Mais on peut encore le bouger, hein, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je vais faire, on va commencer à chasser un petit peu les excédents. Mais on voit que rapidement, il peut bouger facilement. Donc là, l'idéal, c'est de mettre du microsol tout de suite pour l'assouplir. Afin qu'il commence à épouser la forme du toit. Voilà. Alors ce petit film transparent là, c'est vraiment une chienlit. Hein. C'est, excusez-moi du mot, mais c'est catastrophique ce truc. Alors je vous invite à le retirer vous aussi. Dès qu'on peut le retirer, il faut le retirer parce que c'est pas possible. On va laisser un petit peu le microsol agir. Alors au début, ça va un peu friper tout le décalque. Rassurez-vous, il n'y a pas de souci non plus. Vous voyez, la boulette, elle est pas loin. Hein. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer un petit peu à étirer. Alors un petit pinceau plat, un petit pinceau fin avec des poils très souples. Vous le mouillez un peu pour pas que ça abîme le décalque. Et vous commencez un peu à tirer. Voilà, au fur et à mesure, le décalque, il va prendre la forme. Il n'y a pas de souci. Coup de sèche-cheveux. Voilà, et ça sèche un petit peu, donc automatiquement, ça retend. En séchant, ça retend le décalque. Vous voyez, il est plus flétri, tout ça. Et on repasse après encore un petit peu de microsol pour finir d'assouplir, hein, tout simplement. Mais ces parties transparentes, là, je vous dis, c'est vraiment une chienlit. Hein. C'est... oh là 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 là. J'ai horreur de ça. Allez, microsol encore.
Heureusement que ces parties transparentes, normalement, avec le vernis, ça disparaît. Hein. Il n'y a pas de... Mais bon, c'est toujours embêtant, c'est chiant, ça fait plein de... Enfin, moi, j'aime pas. Ça me gonfle. Excusez-moi du mot. Alors, on va laisser un petit peu agir ce microsol. Vous voyez, il faut encore l'assouplir ici. Là, vous voyez. De l'autre côté, il a commencé déjà à prendre la forme. Mais il y a encore quelques petits plis là, hein, ici. Toc. Toujours le pinceau humidifié. Et vous venez tirer le décalque. Allez, le sèche-cheveux. Et on retourne au microsol. Donc là, il faut mettre bien ici, là, pour que ça vienne creuser le décalque, pour qu'il aille bien dans la rainure de la carrosserie, là. C'est important. Qu'est-ce que tu fous là, le poil? Ah! J'ai pas besoin de toi. Voilà. Je vais tremper le dernier ici, celui-là. Alors, par contre, oui, sur les côtés, il y a du... Je découpe sur les côtés. Du temps que lui sera molli, on va finir celui-là. J'ai fait la boulette. J'ai fait la boulette. J'ai fait la boulette. Vous voyez, ça pardonne pas, hein. Voilà. Il s'est déchiré là. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est parce que il n'est pas assez détendu. Je suis trop impatient encore. Et il a collé sur les deux côtés, donc maintenant ça tire automatiquement. Voilà, la boulette, elle est faite. Mais comme ça, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. On peut reprendre ça si on a de la peinture, mais bon. On viendra mettre de la terre dessus. J'ai cette chance de pouvoir attraper.
en mettant de la terre. Ouais, ben ça fera pas joli, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. On viendra salir le toit. Décidément, s'il y a beaucoup d'erreurs, il faut vraiment qu'elle soit sale, la voiture, hein. Il y est toujours, lui, le poil là. Dia. Voilà, il est plus là. Il m'énervait ce poil. Donc là, en fin de compte, pour pas que ça casse ici au milieu, là, comme j'ai fait, il aurait fallu que, une fois que je l'avais positionné, je vienne mettre du microsol juste là, et que je vienne de suite tapoter dessus, pour qu'il se creuse déjà, que de là et de là, ça vienne glisser à l'intérieur, pour pas que ce soit trop tendu, et au moins il n'aurait pas cassé. Mais je ne l'ai pas fait. Ouais, il va casser tout le long. C'est trop tard. Alors, le castrol, il va comment? Il va comme ça. Positionner tout de suite lui. Ouais, je crois que ça c'est mort pour ça. Ça m'embête parce que j'aime pas ça. Même si je peux cacher avec la boue, j'ai horreur que ça fasse pas ce que je veux. Mais ça, c'est mon côté trop impatient, hein. Je veux toujours aller trop vite. Et vite et bien, ça ne va pas ensemble. Ben, ça vous aura montré ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà, écoutez, ce décalque est posé. Donc pas dans la règle de l'art, puisque ben, y a des petits soucis hein, sur ces rainures, vous avez vu. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc en fin de compte, j'ai bien fait de retirer ce blanc là, ce transparent, parce que regardez ce que ça peut donner sur une petite partie. Vous voyez ici? Voilà, ça fait plein de... C'est pas propre. Avec cette partie transparente là, c'est affreux, ça fait pas propre. Bon, normalement, ça doit partir au vernis, hein, je vous dis. Mais c'est pas top. Si j'avais laissé la totalité du transparent, là, ça aurait été... Je vous explique même pas. Je vous explique même pas ce que ça aurait fait. Voilà, bon, bah écoutez, ça et ça, c'est pas beau. Faites attention. Vous avez vu ce qu'il faut pas faire. Pardon, j'ai toujours un chat dans la gorge. Voilà, bah écoutez, ça fait une demi-heure de vidéo déjà. Bon, vous voyez, une demi-heure pour poser un décalque. Donc, dites-vous bien qu'il y a toute la carrosserie à faire. Ça fait pas mal. Donc, je peux pas tout faire en vidéo. C'est pas possible. Les amis, c'était la cinquième vidéo de cette Toyota Corolla WRC. Je vous remercie mille fois d'être passé par là, mille fois de votre fidélité. Vous êtes formidables. Continuez à me laisser des pouces levés, continuez à me laisser des commentaires qui m'encouragent à continuer à faire ce que je fais. Sans boulettes si possible, hein. Attention. Voilà, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Plein de bonnes choses. Bye bye, à bientôt les amis. Ciao.